Bonjour et bienvenue sur Chapolyglotte, une chaîne dédiée aux langues et au plaisir de les apprendre. Aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu différente. On commence avec une dictée. Vous notez ? Je n'ai pas une minute à moi ces jours-ci. Je n'ai pas une minute à moi ces jours-ci. Car je remplace un collègue qui s'est cassé la jambe. Qui s'est cassé la jambe en jouant au foot. En jouant au foot. C'est épuisant. C'est épuisant. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était difficile? Oui, c'était un peu compliqué. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, on va comprendre la différence entre c'est et c'est. C'est parti. Le premier, S-E-S. C'est un déterminant possessif qui indique à qui une chose appartient. Cet adjectif se trouve généralement devant un nom. Par exemple, c'est la petite bibliothèque de mon mari. Ses livres ne sont pas très amusants. Une petite astuce pour comprendre si on utilise SES ou CES, c'est de remplacer au singulier. Si vous pouvez remplacer par son ou ça, donc vous utilisez SES. De CES. CES, c'est un adjectif démonstratif. Il sert à indiquer. Il sert à désigner une chose que l'on montre. Titre d'exemple, ces accessoires sont à moi. Ces adjectifs démonstratifs sont aussi normalement suivis d'un nom, comme l'adjectif possessif SES. Le troisième, C'est c'est composé de cela et le verbe être. Cela est ou ceci est. C'est. C'est généralement au début de la phrase. Ça peut être suivi d'un adverbe, un adjectif qualificatif, etc. Par exemple, c'est du basilic. C'est ma plante préférée. Le dernier homonyme, S'est. Ça, c'est composé du pronom personnel se et le verbe être. Un sujet doit nécessairement être présent devant c'est et c'est généralement suivi d'un participe passé. Par exemple, il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. D'ailleurs, quelque chose que tout le monde doit faire régulièrement pendant cette pandémie. Ah oui, j'ai failli oublier, il y a aussi deux autres C, S-A-I-S et S-A-I-T. C'est la conjugaison du verbe savoir. Et quelle est la différence? S-A-I-S, c'est pour je et tu. S-A-I-T, c'est pour la troisième personne du singulier. Je vais conjuguer pour vous très rapidement le verbe savoir au présent de l'indicatif. Je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, ils, elles savent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon.